Salam alaikum, Azul, bonsoir. Le régime algérien aura réussi la gageure de ne plus être seulement un régime prédateur parmi d'autres, mais un modèle en soi, un archétype de la subversion et de la contre-révolution, inouï dans les annales de ce type de système, dans certaines méthodes, certaines caractéristiques et surtout certains excès lui sont propres, encore inusités par les pires systèmes. À sa façon, ce régime est devenu une école, un prototype, un modèle. Et ce n'est certainement pas pour rien que certains services de sécurité, parmi les plus réputés au monde, et certains régimes parmi les plus atroces du monde sollicitent des experts algériens de l'antiterrorisme pour collaborer avec eux. Parce que c'est cela le cœur nodal de la logique, où l'antiterrorisme est en fait du terrorisme pédagogique, de la manipulation très fine du terrorisme, une manipulation qui ne recule devant aucun moyen, fût-il un carnage, fût-il la torture, le viol et autres moyens d'exploitation, comme ils disent. Des criminels de grande intensité qui passent ainsi pour des experts reconnus dans la subversion et le retournement des mouvements de contestation. Encore un peu, et ils pourront ouvrir des cabinets conseils pour despotes en tout genre qui rencontrent de la résistance au sein des peuples qu'ils oppriment. Parmi ces méthodes qui lui permettent de garder la main et de se maintenir à la tête du pays, malgré le formidable sursaut populaire, il y a celle du déni, cette obstination à ne jamais reconnaître, à ne jamais assumer sa responsabilité dans ce qu'il a provoqué de désastres et de crimes, même s'il a été pris la main dans le sac, même s'il existe des preuves irréfutables sur ce qu'il a commis et sur le détournement de la volonté populaire qui lui a permis de faire main basse sur tout un pays. C'est ce régime, autrement dit cette junte, cette oligarchie militaire qui avait poussé le président Chadli à la démission. Ce même régime qui avait imposé Bouteflika 4 mandats durant et qui a tout tenté pour le faire passer en force à un 5e, malgré son état de santé. Ce même régime qui a imposé d'autres élections présidentielles contre la volonté populaire. Cette même junte qui a installé Tebboune, malgré le plus grand boycott électoral jamais observé dans le pays. Cette même junte qui affirme aujourd'hui, mordicus, que l'actuel système n'a rien à voir avec les 2 décennies de Bouteflika. Et cette même oligarchie militaire qui nous dira demain, quand Tebboune sera périmé, que le prochain fantoche n'a rien à voir avec Tebboune, à qui elle ne manquera certainement pas d'imputer toutes les conséquences qu'elle aura elle-même provoquées, comme elle l'a fait pour Bouteflika quand elle a dû se résigner à l'éjecter. Et ce sera ainsi jusqu'à l'extinction de la race, si on peut dire. C'est la droite ligne de ces méthodes, dans cette logique ô combien éprouvée du terrorisme pédagogique, que le MAC et Rachad ont été consacrés, mouvement terroriste, sans aucune preuve,
sans aucune enquête sérieuse, sans aucune instruction judiciaire digne de ce nom, et avec un battage médiatique d'une très grande intensité. C'est dire que ce régime n'en finit pas de nous étonner sur ses capacités au pire, à aller toujours plus loin dans la transgression de tous les principes et de toutes les limites. Mais tant va la cruche à l'eau. جزائر حرة ديمقراطية قلناها Algérie, le retour des procès expéditifs pour terrorisme. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Hassan Hirsch, économiste, analyste politique. Hassan, merci d'être là. Merci à vous. Bonsoir à toute l'équipe d'El Maghrebia et bonsoir à tous les téléspectateurs et à votre invité que je vous laisse présenter. Merci. En effet, Abdelrahim Moussaouar, militant politique du FFS et militant hirakiste très connu sur la place de Paris. Abdelrahim, merci d'être là. Merci pour l'invitation, Jamaldine. Hassan Hesh, merci. Ça fait plaisir de me retrouver avec toi encore une fois. Et bonjour à tous les téléspectateurs de El Maghrebia. Merci. Depuis l'Algérie, depuis Mostaganem, je crois, Mostaganem, Aziz Mouatz, je rappelle à la régie que Mouatz s'écrit avec M-O-U, Mouatz, écrivain, auteur, journaliste qui est avec nous. Aziz Mouatz, merci d'être là. Merci à vous aussi, Jabaldine. Merci. Nous allons essayer, depuis tout à l'heure, ça n'a pas été possible, mais nous continuons d'essayer d'avoir un ou deux avocats depuis le procès qui se tient en ce moment même à Sidi Mohamed. Et ça va être le sujet central de cette émission d'aujourd'hui. Je vais vous lire juste, pour donner un peu le ton, l'article de l'APS, 27 individus activant dans l'organisation terroriste MAC, arrêtés. En fait, ils sont déjà en audience au tribunal de Sidi Mohamed, jugé pour terrorisme, 27 personnes en une fois. Et on nous rapporte de sources très crédibles que ces 27 Algériens, de Kharrata et de Bni Wertilen notamment, ont été arrêtés parce qu'ils manifestaient sur la voie publique, comme le fait Kharrata, Bni Wertilen et d'autres régions du pays quasiment chaque vendredi. Depuis 2019. Depuis 2019. Donc voilà, là, donc le régime semble avoir trouvé la panacée. Il a commencé par décider que le MAC et Rachad sont des mouvements terroristes.
classé, ça y est, c'est bon, de façon légale, réglementaire, judiciaire. Déclaré, absolument. Et là, tous les gens qui le dérangent et qui se trouvent sur son chemin, ils les accusent d'être du MAC ou de Rachat, donc d'appartenir à des organisations terroristes. Je vous laisse faire un tour de micro, Hassan. Franchement, en deux mots, il y a un peu, comment dire, de ridicule dans ce truc-là, même si la situation est tragique, dramatique, etc. Parfois, ça fait rire un petit peu, au sens de moquerie politique, quoi. C'est-à-dire, on assiste finalement à l'arrestation de militants supposés du MAC, à Tizi Ouzou, maintenant, c'est Kharrata, Bniwertilen, bientôt ailleurs, Mazel, Imchdelen, Bouira, Boumerdesta, ça va venir. Voilà. Mais ce qui est justement risible, c'est qu'ils ont déclaré deux partis politiques ou deux associations politiques, Rachad et Emma, comme organisation terroriste. Ce qui est incroyable, c'est que ni la police, ni les services de sécurité de l'armée, ni la sécurité intérieure n'ont trouvé un terroriste de Rachad. Apparemment, ils les ont réservés pour l'année prochaine. Donc, simultanément, deux organisations sont terroristes, mais ils ne trouvent que des gens du MAC. Il y a un problème. Ouais. À moins que ce soit les mêmes militants, en réalité. Peut-être que c'est la même organisation. Ah, peut-être, qui se décline sous deux devantures aux antipodes l'une de l'autre. C'est ça, exactement. Mais Hassan, moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont pris ces deux organisations, ils ont décidé d'en faire des mouvements terroristes. En fait, ils ont rendu, pour ma part, je considère qu'ils ont rendu un grand service au MAC, dont ils ont fait réellement la propagande à un point incroyable. Ah oui, oui. Et de l'autre côté, dans l'imaginaire, croient-ils eux, hein, les gens du régime, dans l'imaginaire des gens, en Algérie, beaucoup de gens n'aiment pas le MAC pour ses visées séparatistes. Donc, dans leur imaginaire, une autre organisation qui lui est associée est forcément terroriste, forcément malsaine, forcément porteuse de menaces pour l'intégrité territoriale. Est-ce que ça a été fait dans ce sens? Pourquoi les avoir mis ensemble? Je pense que, en fonction des clans qui sont des décideurs, il y en a évidemment qui sont anti-Kabyle primaires, il y a des gens qui sont anti-islamistes primaires. Oui. Donc il n'était pas possible de déclarer Rachad seul terroriste sans le faire aussi du côté Kabyle. Ah. Et il n'était pas possible de le faire, de décider qu'il y a des Kabyles terroristes sans le faire du côté islamiste. Vous voulez faire bonne mesure. C'est-à-dire, non, mais c'est-à-dire, c'est une contrepartie. Chaque clan accepte la contrepartie et donc il décide effectivement, allez, on va dire que c'est les deux. Allez. Ça, après un conciliabule, on va dire, allez, on va serrer la main, on va dire que c'est les deux organisations qui sont terroristes. Comme ça, chaque clan est content. Ah ben, vous voyez, vous Hassan, je continue une question et puis je passe aux autres invités. Ces deux organisations sont domiciliées en Europe. Oui. Ils sont connus en Europe, Rachad et le MAC. Vous imaginez des organisations terroristes qui ont pignon sur rue? Et le comble du comble, c'est que quand ils ont décidé qu'ils étaient terroristes, ils n'ont pas apporté l'ombre d'une preuve. On ne peut pas décider comme ça. Si, ils ont passé un certain dahdouh. Dahdouh, lequel, le dernier ou le premier? À la télévision, qui va dire... Une série de dahdouh. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'en fait, ils sont en train d'utiliser quand même la méthode Erdogan. Mmh. Erdogan, du jour au lendemain, a décidé que la HDP, le parti pro-kurde, alors qu'ils ont une quarantaine de députés à l'Assemblée nationale, oui, du jour au lendemain, ils ont décidé que c'était une organisation terroriste. Oui. Et puis, ils ont arrêté non seulement des militants, mais ils ont arrêté aussi les députés. Oui, oui, c'est incroyable. Donc, s'il y avait des députés Rachad et Emma qui les auraient... Mais à la limite, dans le Kurdistan turc, il y a eu un tant soit peu de violence, j'allais dire, pour ne pas dire de terrorisme. Il y a eu de violence, d'échanges. Oui. Violent, hein, oui, de part et d'autre. Oui. Mais pour ce qui est du MAC et de Rachad, ce n'est pas le cas du tout. Oui, oui. Nous ne connaissons pas un seul cas de violence, pas un seul, encore moins de terrorisme. C'est une excellente remarque, oui, c'est une excellente remarque. Mais c'est-à-dire, il faut bien qu'il trouve un prétexte
pour intimider le peuple algérien, pour essayer d'arrêter le Hirak, pour monter les uns contre les autres. Mais ils n'auraient pas pu trouver quelque chose de crédible qui puisse passer. Il n'y a rien. C'est comment la pilule, monsieur, la pilule, pour passer, elle a besoin. Monsieur Benchenov, ils ne peuvent pas trouver quelque chose de crédible dans la mesure où il n'y a pas d'organisation terroriste, du moins, qui s'affiche publiquement. Et le Hirak qui a rassemblé des millions d'Algériens et qui a non seulement scandé l'unité algérienne, l'unité du peuple algérien, monsieur, il a scandé Silmiya. Oui, oui. Et donc il ne peut pas trouver de prétexte. Il faut qu'il invente quelque chose, qu'il tire quelque chose de son chapeau. Et ça passe ou ça casse, c'est il ça. S'en fiche. C'est ça. Et même, je reviens en une seconde sur le cas de HDP. C'est vrai qu'il y a eu des violences entre l'État et les Kurdes. Mais ce parti, justement, il fait partie des Kurdes qui sont légalistes. Oui. Légalistes, c'est comme si on arrêtait les députés du RCD ou du FFS. Oui. Pour terrorisme, c'est des partis légalistes. Mais, non, ça mais n'a ce rien que vous voulez dire, c'est ce que je voulais dire. C'est à la limite l'État turc. C'est pas le PKK. Je sais, voilà. Mais à la limite, il dit au Kurdistan, il y a de la violence, il y a, si on veut, du terrorisme. Mais ce n'est pas le cas en Algérie. Non, il n'y a pas de terrorisme. Non. Le seul terrorisme qu'il y a, c'est le terrorisme du DRS. L'État. C'est l'État. Moussawar Abdelrahim. Dans un premier temps, moi, je pense que les 27 détenus, les 27 personnes qui ont été arrêtées, ce n'est que le chiffre qui est déclaré par la presse. Oui. Et d'ailleurs même, non seulement il y a les CRS, la BRI qui a tenté d'arrêter des concitoyens à Khrata, à Bni Wurthiren. Là, en ce moment, puisqu'avant que j'arrive à l'émission, j'étais en contact avec des amis de Khrata. C'est des voisins, c'est des amis. Les 27, ils sont à Sidi Mohamed, ils vont passer devant le juge. Mais au commissariat de Bni Wurthiren et à Khrata, il y a encore des détenus qui ont été arrêtés depuis le mardi dernier. Les arrestations, elles se depuis font. Depuis le mardi, ils sont toujours en garde à vue? Non, il y a eu une partie qui a, enfin, un groupe qui a été arrêté, qui a été libéré. Mais là, en ce moment même, les arrestations, elles continuent de se faire. Ça veut dire aussi parmi les manifestants? Parmi les gens qui ont manifesté. Les gens du Hirak, oui, tout simplement. Oui, Hirak. Parce que lorsqu'on creuse dans cette affaire, ce sont les manifestants, oui, du Hirak qui sont ciblés, notamment dans la commune de Kharata, dans la commune de Bni Wurthiren, parce que ce pouvoir. D'ailleurs, je lance un appel sérieux à ce régime d'arrêter ces intimidations, ces provocations en Kabylie, à Kharata, Bni Wurthiren et sur tout le territoire algérien, parce que les provocations, ce n'est pas une solution à un problème majeur, à un problème politique. Si on fait de l'opposition, si on est dans l'opposition, si on est dans le Hirak depuis 2 ans, on n'est pas là pour la violence, on est là pour trouver une solution politique, une solution pacifique au problème majeur que vit l'Algérie. La radicalité dans les propos et tout, on l'a vécu, on l'a vu, mais même à cet appel sérieux, ce pouvoir n'affiche aucune volonté d'apaiser les esprits. Mais Abdelrahim, peut-être que ce régime ne cherche pas à apaiser les choses. Pas du tout. Peut-être qu'il sait, contrairement à ce que vous déclarez, vous lui prêtez d'intention, peut-être qu'il veut faire exploser la Kabylie, peut-être qu'il veut faire exploser la violence en Algérie, pour se ménager un ennemi de l'intérieur qui en veut à l'unité du pays, à la sécurité, ouais, du pays. Il est peut-être dans cette, ouais, démarche. Et on le connaît pour ça, pour le fameux terrorisme pédagogique. En tant que militant, j'ai le devoir d'interpeller les pouvoirs publics, d'arrêter les intimidations et les arrestations arbitraires. Après, lorsqu'on fait une analyse profonde, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'aujourd'hui, ce matin. Depuis les années 60, des hommes, des femmes politiques, des partis politiques, des mouvements qui ont été créés ont essayé de raisonner ce régime. Il n'a jamais affiché une volonté d'apaiser les esprits ou de changer. Donc c'est pour ça que ce que j'ai dit au début, c'est un devoir de militant. Mais par la suite, lorsqu'on fait des analyses, on se rend compte que finalement, ce régime n'a aucune volonté d'arranger les choses. Si c'était le cas, des millions de personnes qui sont sorties depuis 2019, elles auraient peut-être fait un effort d'écouter. Mais toujours, c'est la sourde oreille. La réponse à un mouvement pacifique par les intimidations, par les arrestations, moi, je peux même faire la liaison entre ce qui se passe actuellement
Akhrat, Abni Ourthilan. Et ça va venir hein, dans les autres régions, vous allez voir. Hein. Là, ça va venir. C'est le fief du FFS. Parce que là, lorsque vous prenez une commune comme Khrata ou Ethwurthilan, je suis de Khrata, je sais que le poids que peut avoir le FFS ou même le RCD en Kabylie, c'est pour ça qu'en ce moment, il est en train de jouer sur la carte du MAC, mais par la suite, il y a aussi la carte de Rached qui va revenir. Donc là, le régime n'utilise pas seulement le MAC. Rached, ça va venir plus tard. C'est pour ça qu'il a commencé, dans un premier temps, par déclarer. Déjà, même les instances internationales les plus spécialisées dans les droits humains, dans la défense des droits de l'homme, etc., ont du mal à définir, c'est-à-dire de façon précise, la notion du mot terrorisme. Ouais. Le mot terrorisme, on n'arrive pas à la définir réellement, c'est-à-dire de façon concrète à 100%. Et le pouvoir, il annonce, Rached, le MAC, c'est des mouvements algériens, qu'on le veuille ou pas, qui existent en Algérie concrètement, de Khrata, un peu partout. Il les déclare terroristes. Mais là, c'était pour préparer le terrain à ces manigances qui viendraient plus tard. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Même les nationalistes palestiniens, ils sont classés comme terroristes par certains. Bien sûr. Voilà. Donc là, si tu veux tuer ton chien, Hachakoum, dis qu'il a la rage. Donc en plus même, un autre point. En faisant la comparaison avec le PKK de le parti kurde, Erdogan qui disait « il y a quelques Kurdes qui sont des terroristes ». C'est-à-dire ce médecin, à chaque fois qu'un malade vient le voir, « j'ai mal à la tête, j'ai une migraine, on lui coupe la tête ». Ça veut dire c'est la solution finale. Il n'y a qu'une solution, c'est de couper le mal à la racine. Mais ça ne se fait pas de cette façon. En plus, ce qui s'est passé à Tizi Ouzou, les incendies, lorsque le Djemel Ben Smaïl, lui, c'est le dommage collatéral. Hein. C'est d'un côté pour cacher un génocide. Tu crois que c'est le dommage collatéral? Moi, je suis absolument certain que c'est un coup prémédité, préparé, etc. Oui, justement. C'est ce que j'étais en train de dire. Ça veut dire qu'il y a des dizaines et des dizaines de morts à cause des incendies. Il y a eu cette affaire de Djemel Ben Smaïl, à cause des incendies. Donc, cette affaire, pour créer plus de sensibilité, pour creuser dans la sensibilité entre Algériens, petit à petit, à un certain moment, lorsqu'ils avaient déclaré que Rached El Mak était des organisations terroristes, il y en a un terroriste de luxe qui nous ont sorti, le jet set du terrorisme, comme il était habillé, bien rasé, des dollars et des euros, tout neuf sortis de la banque. Et bien classé. Bien classé. Des billets de 500 euros. Oui, ça venait juste de sortir, en fait, mais de la banque. C'était dans cette perspective pour justifier à l'avance ce que nous allons faire plus tard. Là, je parle au sein du régime. Hein. Oui. Ce que nous allons faire, il y a des antécédents. C'est quoi? Dahdouh ma Rached, Dahdouh ma Al-Mak. Et là, actuellement, les citoyens qui sortent à Khrata et à Bni Ourthilan dans le cadre du Hirak, rien d'autre, c'est le Hirak qui a repris Akhrata, qui a repris Bni Ourthilan. Ils veulent museler ces deux villes pour que le Hirak ne reparte pas. Après les avoir réprimés. Bien sûr, la répression. Il y a eu un voisin, voisin Akhrata, qui a perdu son œil. Il y a eu des tirs de bombes lacrymogènes, il y a eu des brutalités policières. Il y a eu un éborgné à Akhrata. Donc là, c'est juste pour dire que. Et c'est là que je vais faire le lien avec le troisième point qui est les élections locales. Oui, on va y arriver. Moi, il va y avoir les élections locales. Donc, avec toutes ces manigances, toutes ces manipulations, c'est pour mettre des partis d'opposition devant le fait accompli. Donc, une participation, on a tort. Si on boycotte, on a tort. Donc là, c'est la véritable équation qui est en train de se dessiner. Alors, Abdelrahim vient de poser une question qui est vraiment au sujet du terrorisme, de la nature, de la qualification du terrorisme, de la conception. À mon avis, le terrorisme, pour le dire simplement, ce sont des actions violentes en vue de terroriser des populations dans des buts politiques ou autres. Des attentats. Par des attentats, de la violence. De la violence. Or, si en ce moment, un quelconque parti pratique de la violence, emprisonne les gens, les torture, les viole dans les prisons, les bastonne, les humilie, les enlève, les fait passer en justice, leur invente des chefs d'inculpation qui n'existent pas et donne des instructions à sa justice de les mettre en prison pour de très longues périodes.
c'est du terrorisme et le seul qui le pratique, c'est le régime lui-même. Oui, oui, tout à fait. Moi, je vais vous étonner, M. Benchinov, je m'excuse. Moi, je suis aussi convaincu que autant ils veulent intimider, autant ils veulent réprimer, etc., et puis ils trouvent des prétextes, etc., autant aussi, je ne peux pas croire qu'il n'y a qu'un seul clan au niveau du pouvoir. Quand j'écoute Nazar, ça me fait peur, et je vois ces opérations-là comme étant logiques. Mais quand j'écoute le général Ben Hadid, je me dis ce n'est pas possible. Il y a quand même, il y a des gens extraordinaires à l'écoute de leur peuple, etc., qui n'ont pas les mains sales et qui n'ont pas détourné, etc. Donc je me dis que peut-être c'est un clan vraiment violent, machin, qui veut montrer aussi sa force en même temps. Hein. Il veut montrer sa force à ces gens-là, à ces officiers-là, etc. Ils sont en train de les humilier en leur disant vous voyez ce qui arrive aux civils, ça peut vous arriver aussi. Moi, je n'écarte pas cette hypothèse-là. Le général Ben Hadid, que nous saluons nous aussi, oui, et dont je rappelle qu'il était passé à Al-Maghribia pour à nous apporter un éclairage incroyable sur le terrorisme pédagogique. Il a mis à bas les gens qui traitent, les gens qui se posent des questions de qui tu quistes. Il avait déclaré à Al-Maghribia que un émir à la deuxième région militaire, à l'ouest du pays, était sous les ordres du chef de région militaire. Alors, un émir du JIA. Alors, quand le général Ben Hadid dit des choses incroyables… Qui était un général opérationnel. Oui, c'est ça. Il dit un certain nombre de vérités, y compris ce qu'il avait dit sur Saïd Bouteflika, oui. Et qui s'est avéré juste. Et il s'est retrouvé en prison. Donc, pour ça, quand je vois le général Ben Hadid, je me dis, c'est pas possible qu'il soit seul. Dans toute absolument, ce voilà. Absolument. C'est d'une logique imparable. Voilà. Et nous pas la possible. Souhaitons, nous l'espérons vraie et vérifiable, Inch'Allah, bientôt. Pense. Alors, Aïssa Rahmoun vient de nous rejoindre. Maître Aïssa Rahmoun, avocat, militant politique. Aïssa Rahmoun, merci d'être avec nous. Salamu alaikum, c'est le khair Sid Jamal, vos invités aux téléspectateurs de Maghribia. Merci. Bonsoir, rappelle, maître. Nous avons perdu Aziz Mouats, ou alors il a peut-être préféré, on n'arrive pas à le joindre, il a peut-être préféré ne pas participer à cette émission, je ne sais pas. Aïssa Rahmoun, est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur ce procès autant collectif qu'expéditif, semble-t-il, qui a lieu à... Sidi Mohamed, dont le chef d'inculpation est terrorisme. 27 personnes sont accusées d'être des terroristes et sont en ce moment même en train d'être jugées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bah oui, c'est Jamal. Écoutez, il s'agit de 25 jeunes irakistes de Kharata, selon mes informations, et de deux jeunes autres de Bni Wurfilan, deux régions qui ont repris les manifestations, les marches après que la Covid on a remarqué qu'il y avait une baisse d'infection par rapport à cette maladie. Tantôt, ces deux régions ont repris le flambeau du Hirak avec deux manifestations, les vendredis et samedis. Vous savez, le tribunal Sidi Mohamed est devenu un tribunal spécial. En termes de procédure, de mécanisme juridique, un tribunal spécial pour faire passer les jeunes du Hirak, tous ces militants, ces activistes qui sont là à demander, à revendiquer et qui ont pour objectif la construction d'un état de droit. L'article 87 bis, souvenez-vous, si on fait un peu dans la chronologie des faits, le Conseil de sécurité s'est réuni pour décider que le MAC et le Rachad sont classés comme deux organisations, deux entités terroristes selon cette réunion. Un mois plus tard, une loi atterrit, tambour battant, Andlapé Interna, qui est une chambre d'enregistrement en mois de mai, qui consacre l'article 87 bis, un article très souple,
cet article de loi frappe toute organisation, le Massas de l'Ouahda al-Wataniya ou le Massas de l'Amn al-Watani, peuvent être c'est les auteurs de cette accusation, les accusés peuvent être présentés devant un tribunal criminel. C'est à partir de là que, souvenez-vous aussi que juste après les feux qui ont incendié la Kabylie, ce mécanisme de loi, et bien avant avec l'épisode de Hamou Boumtienne et Hbib, on les a vus malmenés juridiquement, écoller cet article qui est le 87 bis, où les juges d'instruction se dessaisissent de la gestion de l'affaire, de l'instruction, que ce soit Dr al Mizan, que ce soit Rata Asetif, pour envoyer ces affaires au tribunal Sidi Mohamed, qui a la compétence, selon la procédure pénale, le juge d'instruction de Sidi Mohamed peut se saisir de ce dossier à l'occasion de l'application de l'article 87 bis du code pénal. Il s'agit réellement de terroriser, effectivement, comme disait le général qui était un invité à le terrorisme exercé par l'État. Il s'agit de terroriser la population, il s'agit de terroriser tous les militants. Il s'agit aussi de remettre en cause tous les acquis symboliques du Hirak. Vous voyez, pousser toute une région, qui est le centre du pays, la Kabylie, à la rébellion, pourquoi pas à la violence, parce qu'avec ces actes de provocation, avec ces intimidations continues sur cette région, avec tout Hadouk Zoubab, ou Hadouk les Chiatin Ta'an-Nivam, qui n'arrêtent pas de provoquer cette région. Cette région peut réellement se retrouver dans une situation de légitime défense. Et la situation de légitime défense n'augure pas détruire la Silmiya et l'Union dans l'action dans le Hirak. C'est pour cela qu'il s'agit d'une grosse opération de manipulation, d'une grosse manipulation du régime en place pour ramener cette région dans le terrain de la violence. Ce dernier qui est refusé par cette région, regardez la réponse symbolique, hautement symbolique, des gens de Kharata qui ont observé une journée d'opération ville morte. Une réponse très claire au régime, on ne veut pas de confrontation. Pour le moment, vous êtes en train d'accuser à tort et à travers. Vous êtes en train d'arrêter arbitrairement. Vous êtes en train de détenir, de mettre en détention abusive des jeunes Algériens. Vous êtes en train de souiller leur casier judiciaire, leur avenir professionnel, leur avenir tout court. Ça ne va pas durer. Parce que si on entend le général Ben Hadid évoquer un émir du GIA qui était sous le commandement de la 2e région militaire, j'espère que d'autres responsables officiels de l'armée vont venir témoigner devant les juridictions internationales au moment voulu. Parce que le dossier Algérie, le dossier des années 90, des disparitions forcées, le dossier des 250 000 morts, des millions de déplacés n'est pas encore clos. Ajoutons à cela le dossier de la dilapidation féroce des deniers des biens publics, de l'argent du trésor, de l'argent des Algériens, cette détention arbitraire, la torture pratiquée par les services de sécurité, tout cela n'a pas été réglé. L'assassinat de Matoub Lounès et celle de Mohamed Boudiaf, aucun assassinat n'a été élucidé dans ce pays. Aucune commission d'enquête n'a été réellement sérieuse à apporter ces résultats. Les grands carnages collectifs, Ben Talha, Raïs, Ramka, etc. J'avais évoqué les oui. années 90, mais aussi les 128 morts Kabyle en oui. 2001. Oui. Tout ça, on ne peut pas l'oublier. Si ces généraux, si ce régime veut revenir avec cette violence, cette provocation pour faire peur aux Algériens, les Algériens, ils ont appris la leçon. Pas de violence. C'est l'union dans le combat, c'est la silmia, c'est la solidarité agissante entre les Algériens. Et restez avec nous, Aïssar Hamoun, et je rappelle que vous êtes aussi vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme.
Hassan, je vais vous lire un extrait du communiqué de la DGSN, de la Sûreté nationale, comme ils disent. Alors écoutez bien, et dans ce communiqué qui est en langue française, il y a un mot en arabe qui n'a pas été traduit en français alors qu'il aurait dû l'être. Et je vais vous demander de me dire pourquoi, vous et nos autres invités. Écoutez bien le mot en arabe qui a été retranscrit sans traduction. Hein. Alors, les services de sûreté nationale ont arrêté ces dernières 48 heures 27 individus à Kharrata, Wilaya de Bjaïa, et à Bni Wertilan, Sétif, accusés d'appartenance à l'organisation terroriste MAC, alors écoutez bien, et de tentative de semer la fitna et la terreur auprès des citoyens à l'instigation de partis établis à l'étranger. Alors ma question est d'abord, pourquoi ils ne nous disent pas quels sont ces actes terroristes au juste? Et deuxièmement, pourquoi avoir utilisé ce mot de fitna qui a une connotation religieuse, pour le moins, religieuse? Ils auraient pu dire discorde. Pourquoi avoir utilisé le mot fitna? Je pense très sincèrement que le régime algérien a tenté d'utiliser la religion depuis l'indépendance à nos jours. Pour lui, ce n'est pas la religion, ce n'est pas de la spiritualité, ce n'est pas un lien de communion entre les Algériens, entre les hommes et les femmes, entre les différents groupes sociaux, etc. Mais pour eux, c'est un instrument. C'est un instrument à la fois de domination, à la fois de gestion et à la fois de coercition. Et donc, ils agitent ça comme ils veulent, quand ils veulent, etc. Donc la religion pour ces gens-là, qui chaque soir se gavent de whisky, et pour ne pas dire autre chose, hein, qui trafiquent la drogue dure, la cocaïne, qui volent des milliards de dollars à leur pays, etc., vont venir donner des leçons à la population de Kharrata et de Thwarthilan, qui sont tous les deux, d'abord, un, les bastions du FFS, d'abord, et secondairement du RCD. Du mouvement nationaliste. Oui, j'allais en venir là. C'était la circonscription d'Aïd Hamed. Oui, justement. Ouais. J'allais en venir là. Ouais. Qui était vraiment le bastion de la lutte de libération nationale et le bastion aussi du Hirak, où c'est parti de là-bas. Pardon, Hassan, et le bastion aussi de l'islam conservateur des ancêtres, absolument. Puisque Bni Wertilan est le fief de l'Wertilani. Absolument. Un grand juriste, oui. Un grand exégète musulman, oui. Alors, mondialement agitent, connu, ils par ailleurs. Ce symbole, ouais. Ce symbole religieux, la fitna, etc., pour dire justement, pour à la fois parce qu'ils disent que ceux qui ont été arrêtés, ce sont des militants du groupe terroriste MAC, ils le disent bien, et ils utilisent fitna, pour ne pas oublier Rachad, pour rappeler... Que Rachad est le prochain sur la liste. Donc c'est pour faire d'une pierre deux coups. C'est incroyable. C'est la poudre aux yeux, même dans la violence institutionnelle, qui continue aujourd'hui. Bon, moi ce qui me rassure, c'est que depuis le 16 février, justement, à Kharrata 2019, ils ne peuvent plus duper le peuple. C'est terminé. Ils peuvent utiliser autant de communiqués qu'ils veulent. Ils peuvent ramener autant de dahdour, comme vous disiez, dahdour 1, dahdour 2, dahdour 3, etc. Ils peuvent les habiller comme ils veulent. Ils peuvent étaler des kalachnikovs sur la table, des liasses de billets, de dollars, d'euros, de dinars, de dirhams et compagnie, etc. Aucun Algérien, je dis bien aucun Algérien, ne peut croire à ce genre de scénario. Personne. Alors vous me direz pourquoi ils le font. Oui. Puisque aucun Algérien ne le fait. Ils le font, de mon point de vue, pour plusieurs raisons. D'abord, ils ne savent rien inventer d'autre. C'est une pratique qui existe depuis des décennies. Même leurs services, qui sont des services totalement incompétents, n'arrivent pas à innover. Même dans leur procédé de souillure, de machin, etc. Ils n'arrivent pas. Au point où, ils sont frappés d'inaptitude. Oui, au point où
leur incompétence est si grande qu'aujourd'hui, les services marocains et les services israéliens sont à leur barbe. Ils sont à côté, là, ils sont écoutés, ils sont... L'affaire Pegasus. Oui. Entre autres. Je faisais allusion à ça. Oui. Donc, à force de s'occuper de l'accessoire et de laisser l'essentiel, à force de passer leur temps à broyer de l'Algérien, les services algériens, tout département confondu, ont perdu pied. Et aujourd'hui, ils sont sous la coupe des services israéliens, marocains et certainement d'autres puissances étrangères. Marocains, au service marocain. Du service marocain, oui. Ils sont au service des services marocains. Oui, parce qu'ils manipulent comme ils veulent. Qui me dit que les services marocains ne sont pas en train de leur faire ce genre de communiqué, justement pour dresser la Kabylie contre le régime contre la Kabylie. Et maintenir le conflit qui est favorable au régime. Qui c'est qui me dit qu'il n'y a pas de cause à effet? Aujourd'hui, ils seraient manipulables à ce point. Les services algériens sont poreux. Oui. On a vu avec ce logiciel. Hassan, pardon. Il nous parle de grand redéploiement diplomatique. Grand, hein? Oui. Grand redéploiement de la diplomatie algérienne. Oui. Alors, je vais vous donner deux petits détails seulement. Hein. Ils viennent de récompenser deux de leurs sbires pour service rendu, Zarmati et Chenin. L'un qui est Chenin, qui était ex-président de l'ex-APN, hein, qui a voté tous les projets de loi qu'ils lui ont donnés, à main levée, sans même y réfléchir. Et l'autre, Zarmati, qui a servi le régime et la junte comme jamais un autre Nervi ne l'a fait depuis 1962. Alors les deux n'ont jamais été diplomates. Et dans cette grande opération de grand redéploiement diplomatique, l'un a été envoyé en vacances à Prague. Vous imaginez, Zarmati qui se retrouve à Prague, l'une des plus belles villes du monde. C'est kafkaïen. Moi, j'ai visité le musée. Une ville d'artiste, une ville kafkaïen. De culture. Je connais très bien Prague. Et l'autre, Chenin, qui n'a jamais été diplomate, et qui est envoyé en Libye, qui est un pôle explosif. C'est un abcès de fixation sécuritaire régionale absolument alarmant. Et qui ils envoient comme ambassadeur dans cette grande opération de grand redéploiement? Chenin, qui sait rien de la diplomatie. Ils ont envoyé aussi, un autre en Suède, non? L'ex-premier ministre, Gérald. Ah ben voilà. Mais à la limite, lui, il était secrétaire général. Au ministère des Affaires étrangères, à la limite, on se dit, lui envoyer là-bas pour le récompenser. Oui, mais s'il a de l'expérience, il faut l'envoyer aux États-Unis, en France, ou en Libye. Dans un grand pays, ou en Libye, absolument. Ouais. Ou même à Bamako. Mais bon. Bon, moi, je pense que ces deux-là, en tout cas, c'est l'ex-premier ministre et l'ex-ministre de la Justice, je pense que c'est des remerciements pour servir ça. C'est sûr. Voilà. Mais ils n'auraient pas pu leur donner de l'argent, comme ils ont l'habitude de le faire, ou des crédits bancaires pour leurs enfants. C'est les deux à la fois. Ah, les deux à la fois. Bien sûr. C'est-à-dire ça passe au détriment de l'avenir même du pays. Mais bien sûr. Alors, quant à celui qui a été envoyé en Libye, qui n'est pas connu du tout, c'est un inconnu dans le monde diplomatique, etc. C'est un islamiste maison. BCBG, comme ils disent. Quand on sait l'importance du problème libyen, et quand on sait la présence des puissances étrangères, et quand on sait justement les dangers que ça peut provoquer au niveau régional, au niveau méditerranéen, et particulièrement aux frontières algériennes. Oui. Quand on sait tout ça, ça veut dire tout simplement que des puissances ont manipulé pour qu'on n'envoie pas un vrai diplomate algérien, pour que l'Algérie participe à la solution du problème libyen. Donc, envoyer un sous-fifre, c'est une façon de minoriser le rôle de l'Algérie dans ce problème, dans ce dossier libyen. Pour que l'Algérie passe au second plan. Complètement à côté. Mais Abdelrahim, sur ce communiqué de la Sûreté nationale... Aussi, non seulement le verbe fitna qui a une connotation, comme tu le disais tout à l'heure, religieuse. Déjà, fitna, c'est comme si c'était un mot intraduisible
en français. Voilà, c'est pour même vis-à-vis de l'international, ceux qui les francophones. Bon, ce mot qui n'a pas été traduit, donc il véhicule un sens peut-être local, précis, et le régime, il le conjugue comme il veut. Tentative. Accusé d'appartenance à Rachad et au MAC, et de tentative, c'est-à-dire ils sont accusés de tentative, on juge sur les intentions. Il y a une manifestation Kharata, donc, puisque... Oui, mais la tentative est passible du tribunal. Par exemple, tentative d'homicide... On est sur le point de le faire, c'est une tentative. Tentative de semer la fitna et la terreur, c'est un délit ou un crime. C'est une façon de dire, tout simplement, que les manifestations Kharata à Bni Oursilane qui ont repris depuis quelques semaines, c'est la fitna, c'est la discorde, c'est la terreur en Algérie. Ouais. Et comme auparavant, le régime avait préparé ce tapis, celui de Rachet terroriste, MAC terroriste. Donc là, aujourd'hui, quoi qu'on fasse, on le colle au MAC, on le colle à Rachet. Le régime, il faut le dire, il veut faire passer la pilule du cinquième mandat de Bouteflika. Le président qui est désigné actuellement, Boun, qui disait à un certain moment, Qsim Billah El Azim, que le programme Mashrouh Faham, il est en train de le faire. Après les élections présidentielles, avec un pourcentage de participation très minime au référendum de la Constitution, et par la suite, les élections législatives qui n'ont eu aucune participation, et là, il veut faire passer aussi les élections municipales. Donc c'est un peu ce processus de reconstruction pour dire à l'étranger que le Hera qui s'est fait en Algérie depuis 2019, il a abouti. Donc regardez, on a neutralisé des organisations terroristes, le peuple il est rentré à la maison, il ne revendique plus, ça veut dire qu'il a, le Hirak a abouti à ses revendications. Nous sommes en train de mettre en place des institutions, l'Assemblée nationale, des assemblées wilaya, des assemblées communales. Là, ils veulent arrêter le Hirak dans le bastion, Kharata Bni Oursilane. Ils veulent réprimer le peuple, lui faire peur pour qu'il ne sorte pas, parce qu'en ce moment même, à Bni Oursilane et à Kharata, il y a une peur dans les rues. Les gens, ils ont peur. Ils ont peur Se retrouvent accusés de terrorisme. Partout. C'est-à-dire, j'ai donné particulièrement en ce moment Kharata, mais c'est ce qu'ils vont faire ailleurs. C'est du terrorisme. Bien sûr, ils sont en train de terroriser les esprits, de terroriser les citoyens. Vous sortez pour aller acheter une baguette de pain le matin, vous vous retrouvez au commissariat. Ça veut dire quoi? Ça s'appelle comment? Donc, c'est des représailles. Kharata, vous avez repris, vous allez payer. Bni Oursilane, vous allez payer. C'est de la dissuasion. Bien sûr, ils veulent dissuader le peuple pour ne plus sortir. Pour ne plus revenir au Hirak. Et le risque majeur dans ce cas-là, c'est ce qui va se faire plus tard, parce que le choix de Rachid et du MAC n'est pas anodin, parce qu'on connaît à peu près quelles sont les tendances du MAC, je dirais même les origines, des démocrates, des laïcs, Rachid, des islamistes. Ils vont même nous dire un jour que ce qui s'est passé dans les années 90, ce sont les prédécesseurs de Rachid et du MAC qui ont assassiné Matoub, qui ont assassiné 250 000 Algériens pour se dédouaner de toute la tragédie des années 90. Juste rajouter un mot par rapport à la question que vous posiez sur le mot fitna. Oui. En plus de ce que nous avons dit les uns les autres, je pense qu'il joue aussi sur l'émotion. Parce que fitna a une résonance émotionnelle dans l'histoire du monde musulman, et particulièrement de l'Algérie, avec tout ce qu'elle a vécu depuis la colonisation jusqu'à maintenant. C'est le même processus qui continue. Et c'est un mot qui fait peur, qui fait vraiment peur. Ça, d'ailleurs, même à chaque fois, on reprend la fameuse phrase « Fitna achète domine al-qatl ». Absolument. Ça veut dire que il dépasse le stade de l'assassinat des tueries. Ça veut dire que ça a été fait exprès, ce n'est pas un hasard. Le mot, il a été bien choisi. Oui, l'émotion. Oui. Alors, Aïssa Rahmoun, sur ce très curieux communiqué, très abusif, très excessif, de la Sûreté nationale, on nous parle d'organisation, appartenance à organisation terroriste MAC, tentative de semer la fitna et la terreur auprès des citoyens, à l'instigation de partis établis à l'étranger, etc. Votre lecture? Avant de vous faire part de ma lecture pour ce communiqué, permettez-moi de rebondir sur la désignation des trois diplomates qui ne le sont pas, l'ex-ministre de la Justice, l'ex-premier ministre et l'ex-président de l'Assemblée nationale populaire. Rappelons effectivement que c'est
trois personnages ne sont pas des diplomates au premier plan. Au deuxième plan, depuis la création, depuis l'indépendance de ce pays, de notre pays, la diplomatie algérienne a été toujours gérée par la police politique, par les services de sécurité. Croyez-vous entre nous qu'un ambassadeur est un diplomate qui obéit à des règles diplomatiques de bienséance, qui interprète, qui fait avancer la cause de son pays, que ce soit dans l'aspect bilatéral ou régional en même temps? Mais non, il s'agit d'un travail, d'une désignation des services de la police politique, services rendus par ces trois personnages. La Libye, pensez-vous que c'est le civil, que c'est le président, le chef de l'État qui va s'occuper de la crise, du problème de la Libye, qui est juste un voisin de l'Algérie? Mais non, mais c'est toujours la police politique qui détient la diplomatie, la décision politique, la désignation des présidents d'APN, des présidents de Sénat, des présidents de République, des walis, des magistrats. Tout est désigné par la police politique. Le civil, pourquoi d'ailleurs le Hirak, un slogan phare au Hirak, Dawla Madaniya Chiaskaria. C'est à la base de cette désignation centralisée chez les teneurs réels du pouvoir, et c'est le Hirak, c'est ce que le Hirak revendique le plus, Dawla Madaniya Mashi Askaria. Que le règne du régime militaire de la police politique cesse dans ce pays. C'est clair, net et précis. Par rapport au communiqué de la DGSN, vous avez relevé effectivement un mot en M-O-T-S qui cause beaucoup de mots en M-A-U-X. Souvenez-vous que beaucoup de youtubeurs ou d'activistes sur les réseaux sociaux ont prôné la fitna. On les entend, on les voit en train d'appeler les Algériens à massacrer une région de l'Algérie. Souvenez-vous, en date du 3 juin, si je me trompe, un youtubeur installé en Angleterre avait prédit, avait annoncé des incendies en Kabylie. Souvenez-vous de ces différentes interventions. Le régime, qu'est-ce qu'il a fait? La justice, qu'est-ce qu'elle a fait? Le parquet, qu'est-ce qu'il a fait? Le ministre de la justice, qu'est-ce qu'il a fait? Le chef de l'État, qu'est-ce qu'il a fait pour arrêter cette fitna qui était engagée par un cercle du régime, bien sûr, qui sont guidés, téléguidés par les décideurs du pays? La fitna, je pense que c'est une préparation de la société. Même si ça a une connotation religieuse, vous savez que la majorité des Algériens sont musulmans. Et que dans notre tradition, il y a l'éducation musulmane et les traditions musulmanes qui sont là, présentes à forte raison. Al-fitna ashaddu min al-qatl. C'est pour cela, probablement je vais être un peu agressif dans ce que je vais dire. Souvenez-vous de la création du GIA, c'était rapporté par des anciens officiers qui ont déserté l'armée, qui ont dénoncé des pratiques dans les services de sécurité. On a commencé par préparer l'opinion nationale à une guerre idéologique, à une guerre de mots, à une polémique intense, violente, qui s'est installée dans la société durant les années qui ont précédé la création de cette frange armée. Et je me souviens que Hossein et Ahmed Darbi Rahmou disaient qu'il faut faire la différence entre les groupes islamistes armés et les groupes islamistes de l'armée. Quand on prépare une société à ce mot fitna, ce régime est capable de créer des attentats, de créer des tueries, de déposer des bombes pour dire en fin de compte, voilà, nous vous avons dit que Rachad et le MAC sont deux organisations terroristes et qui sont passées à l'acte. Tous les schémas sont envisageables avec ce régime. C'est un régime qui était prêt à assassiner, à massacrer 3 millions d'Algériens. Oui. Faut pas qu'on l'oublie.
faut pas qu'on soit... C'était une déclaration de général opérationnel à ce moment-là. Hein. Tout à fait. Mais Issa Rahmoun, j'en profite, et c'est une question pour l'avocat. Un régime qui décide du jour au lendemain quasiment de classer deux organisations politiques, l'une séparatiste et l'autre politique qui est dans le Hirak, qui revendique un changement et l'avènement d'un état de droit, il décide du jour au lendemain de les classer comme mouvements terroristes. Et il nous annonce même que pour ce qui est du MAC, il a appréhendé même pas des suspects, des criminels, nous a-t-il dit, en possession d'explosifs pour les utiliser lors du Hirak. Et puis il nous a appris juste après qu'ils ont été mis sous contrôle judiciaire. Des gens qui ont été pris avec des explosifs, qui s'apprêtaient à commettre des carnages, et qui ont été mis sous contrôle judiciaire. Au moment où des manifestants pacifiques qui ne réclamaient qu'un état de droit étaient en prison depuis des mois, voire des années. Alors, comment ont-ils pu qualifier ces mouvements de mouvements terroristes et pousser l'audace, le culot, jusqu'à demander à leurs partenaires occidentaux de les suivre dans cette qualification, alors qu'il n'y a rien de concret, rien de pragmatique, à part pour ces personnes qu'ils ont arrêtées, dont ils nous ont dit qu'ils étaient en position d'explosif et qu'ils ont quasiment libérées, puisqu'ils ne les ont pas incarcérées. Vous savez, si Jamal, il n'y a aucune crédibilité dans ce qu'avance le régime. Crédibilité en termes de discours interne. Plus aucun Algérien ne croit à ces saloperies du régime, à cette déclaration, à ces manœuvres. Le fossé est creusé. La confiance est rompue entre les Algériens et le régime. Quelle est cette crédibilité aussi internationale dont le régime peut se prétendre. Souvenez-vous, je vous rappelle, à l'occasion d'un sommet russe Afrique qui s'est tenu en Russie, où l'ex-chef de l'État, Ben Salah, qui avait dit le Poutine, « Je suis venu pour vous réconforter, mais je suis venu pour vous réconforter. » Quelques éléments épars, ne vous en faites pas, ce Hirak n'est pas populaire, il n'y a que quelques éléments épars des marginaux qui essayent de faire croire que c'est une révolution populaire. Tout à fait. Alors, toutes les déclarations, toutes les manœuvres, toutes les décisions politiques et juridiques que le régime va prendre avant, durant et après, en amont et en aval, quand il n'y a pas une vraie transition démocratique dans le pays, ne sont pas prises au sérieux chez les partenaires de l'Algérie, dans la diplomatie, en Occident. Et, voyez-vous, le MAC et Rachad, si le MAC et Rachad étaient vus réellement par les Occidentaux comme deux organisations terroristes, c'est un danger aussi pour la France. Connaissant le nombre d'Algériens établis en France, et dans ces Algériens, le nombre de militants qui sont du MAC, il faut le dire, on les a rencontrés à République, on les voit à l'occasion de manifestations du 20 avril, etc., etc. Ils sont en France. C'est un danger aussi pour la France. Rachad, qui, dont ses dirigeants sont à Genève ou en Angleterre, c'est aussi un danger pour ces deux pays. Si réellement ces pays considèrent que ces deux organisations sont des organisations terroristes, je ne pense pas qu'ils vont les garder ou bien qu'ils vont abriter chez eux des dangers potentiels qui s'appellent terroristes. Qu'ils arrêtent la manipulation. Vous savez, Sidi Jamel, le droit, les mécanismes de droit, l'argumentaire juridique ne peut pas faire face à cette manipulation politique du régime algérien parce qu'ils ont tendance à télescoper le juridique et le politique. Quand tu détiens le pouvoir, quand tu détiens la PN, quand tu détiens toutes les clés, mais malheureusement pas toutes les portes, parce que l'une des portes de sortie de crise, Rahian de Chad. Et restez avec nous. L'une des portes de sortie de crise, Rahian de Niram. Et restez avec nous, Issa Rahmoun. Hassan, vous avez tout à l'heure décrit ce régime
sous la forme d'un système, j'allais dire, inaptocrate. Il est dans l'inaptitude, dans l'incompétence, dans la, l'improvisation, dans la désinvolture, dans le bricolage, dans tout ce qu'on peut imaginer de oui, pareil. Hein. Malheureusement, oui. Et on le vérifie tous les jours. Oui. Et on se demande, on se dit, mais non, ils ne peuvent pas être aussi stupides, ça doit casser quelque chose. Ils ne peuvent pas être aussi, pardonnez le terme, aussi crétins, aussi... c'est incroyable, c'est d'être comme ça dans l'incompétence la plus crasse. En fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Alors que, en ce moment, et ce sera peut-être l'objet d'une émission de demain, c'est une flambée des prix de produits de première consommation qui devient réellement alarmante. Ce sont des millions de gens qui basculent quasiment du jour au lendemain dans la misère. Oui. Je ne dis pas la pauvreté, dans la misère. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à se permettre d'acheter un cartable à leurs enfants, à les nourrir convenablement, ça veut dire le minimum. Les Algériens en sont là aujourd'hui. Et dans le même temps, au lieu d'essayer de parer au plus pressé, ces gens sont en train d'agiter des épouvantails et d'autres, de nous créer des ennemis de l'extérieur, de l'intérieur, et d'aller à quelque chose qui nous rappelle de très douloureux souvenirs, des procès collectifs pour terrorisme. Ils veulent quelque chose en particulier, Hassan ? C'est une question... Mais c'est une fuite en avant ? Non, mais c'est un questionnement extrêmement important. Il y a plusieurs points que vous avez soulevés. Alors, d'abord, je commence par la fin, à savoir effectivement l'effondrement économique total. Aujourd'hui, on est vraiment sur la pente glissante avec un coefficient d'accélération absolument effrayant. Et là, ce matin, on m'a appelé de Tizi Ouzou, on m'a dit les pommes de terre coûtent 1 kilo de pommes de terre, c'est-à-dire il y a 4-5 patates, ouais, à 100, 120 dinars. 1 kilo de tomates à 200 dinars. 1 kilo de poulet, pas un poulet, 1 kilo de poulet à 400 dinars. 1 kilo de viande à 2000 dinars. Chabelle me dit à l'oreillette, un cartable qui coûte jusqu'à 6000 dinars. Ben voilà, très bien. Donc on peut multiplier les exemples. Il y a un effondrement économique qui est en cours et on crée des problèmes justement pour faire oublier tout ça. Et faire oublier pour deux raisons. D'abord parce qu'effectivement c'est un danger pour le pays, c'est un échec total pour le régime, etc. Mais c'est pour cacher aussi, pour ne pas parler du succès économique du Maroc. C'est-à-dire, parce que s'il n'y avait pas tous ces incendies, ces crimes incroyables, ces arrestations, ces détournements de l'opinion publique, ces intimidations, cette répression, etc., etc., on parlerait de problèmes économiques. On comparerait le Maroc et l'Algérie. On verrait, tout simplement, les Algériens verraient que toute la propagande qui consistait à dire « oui, le Maroc est un pays pauvre, etc., l'Algérie est une grande puissance économique, etc. », on a vu comment, patiemment et en silence, le Maroc a progressé d'une façon extraordinaire. Aujourd'hui, on voit très bien, par exemple, la parité dinar-euro et dirham-euro. Moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, il y a 40 ans, avec un dinar, on achetait deux dirhams. Ah, d'accord, les dirhams. Ah oui. Oui, je me souviens, j'allais au Maroc début des années 70 chez un cousin, avec un dinar, on avait des dirhams. Aujourd'hui, avec un dirham, on n'a même pas 15 dinars. Ah oui, absolument. Et donc, il y a une chute vertigineuse de l'économie algérienne, on peut en parler au niveau de tous les fondamentaux qui clignotent au rouge aujourd'hui, pas de diversification économique, pas de perspective au niveau de l'économie du 21e siècle, à savoir les énergies vertes, à savoir tout ce qui est moteur électrique, etc., etc. On peut multiplier tout ce qui est l'agriculture bio, ainsi de suite, tout ce qui est traitement des eaux. Tout ça, vraiment, fait partie de la cybernétique, l'informatique, la guerre économique, la guerre informatique, etc. C'est de tout cela que l'Algérie devrait s'occuper. Et au lieu de s'occuper justement de ces fondamentaux... Mais il faut de la compétence.
Oui. Il faut s'occuper de ces choses-là. Absolument. Il faut, du talent. Ce qui n'est pas le cas. Il faut de la vision. Je suis entièrement d'accord. Il faut de l'intégrité aussi. Aujourd'hui, les alliés, ceux qui sont supposés être les alliés de l'Algérie, à savoir la Chine et la Russie, ils investissent plus au Maroc qu'en Algérie. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de la voiture électrique, la Chine a investi des centaines de millions de dollars au Maroc. Aujourd'hui, des composants électroniques pour la voiture chinoise sont fabriqués au Maroc. Et de la même façon pour l'aéronautique, pour fabriquer des Sukhoi, pour fabriquer des Antonov, etc. En Russie, on demande de la pièce détachée aux Marocains. C'est-à-dire, ils ont investi dans les usines marocaines au niveau aéronautique. Qui sont sur et le Maroc, évidemment, a plusieurs, comment dire, visions. Non seulement une vision économique immédiate, etc., mais si demain le problème du Sahara venait à se présenter au Conseil de sécurité, eh bien, le fait d'avoir attiré économiquement et d'un point de vue des investissements la Chine et la Russie, ils pourront s'abstenir d'un vote éventuel au Conseil de sécurité. Ça peut influencer sur la diplomatie. Ça va influencer. Donc ils sont en train d'avancer à petits pas. Ils ont eu cette politique intelligente, justement, de la politique des petits pas. Et aujourd'hui, le système bancaire marocain, on le retrouve dans tous les pays de la CEDEAO, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Mali, le Nigeria, etc., etc. Et l'Algérie, qui avait un pied d'un point de vue idéologique seulement, au niveau du verbe, eh bien aujourd'hui, le problème, c'est que les pays ne veulent plus du verbe, ils ne veulent plus de la phraséologie, ils ne veulent plus de l'idéologie, ils veulent du pragmatisme, ils veulent un développement économique, ils veulent de l'éducation, etc. Il y avait, il y a 20-40 ans, il y avait des milliers d'étudiants africains subsahariens dans les universités algériennes. Aujourd'hui, ils sont dans les universités marocaines. Aujourd'hui, ils sont dans les universités marocaines et demain, c'est l'importance du Maroc dans ce grand continent qui est convoité par toutes les grandes puissances aujourd'hui. Aujourd'hui, d'un point de vue de l'exportation des voitures, M. Benchnouf, le Maroc est dans le top 5 des exportateurs de voitures vers l'Europe. Donc, aujourd'hui, l'Algérie a pris un retard extraordinaire. Oui, mais cette manipulation à des fins ou d'autres, pour contrer le Maroc ou pour étouffer la contestation. Mais avec une telle improvisation, avec une telle paupérisation, avec une telle crise économique, avec des menaces aussi lourdes de crise financière absolument inimaginées jusque-là. – Oui, c'est inédit. – Absolument. Est-ce qu'il n'est pas en train de jouer avec le feu, ce régime, cette fuite en avant, est-ce qu'elle ne pourrait pas, du jour au lendemain, nous mener à quelque chose que personne ne souhaiterait pour son pays ? Le problème, M. Benchnouf, c'est que nous avons malheureusement affaire à des personnalités difficiles, au sens psychiatrique du terme, au sens freudien du terme, et même, je dirais, même au sens ericksonien du terme, c'est-à-dire pas seulement la psychanalyse, mais même au niveau de la psychiatrie. C'est-à-dire que le système qui a été mis en place depuis l'indépendance en Algérie, c'est un système proche du modèle soviétique. Et donc, qui était proche. Qui était, qui oui. Qui l'est plus. Oui, il y a une partie. À l'époque. Il est un peu peut-être sur le plan de la centralisation des pouvoirs. Centralisation, oui, et du KGB. Et de la façade la police politique. La, ouais. police la police politique. Aujourd'hui, ouais. le tribunal de Si Mohamed, comme vous parlez, si bien le maître Aït Rahmoun, le tribunal de Sidi Mohamed, c'est le vestibule des goulags. Ah oui, oui. C'est le vestibule du goulag aujourd'hui. C'est exactement les mêmes méthodes. Sauf que le goulag s'appelle Harrach, Néa. Mais c'est les mêmes méthodes du KGB. C'est même pas le FSB d'aujourd'hui. Ouais. Je parle bien du KGB qui sont repris parce que justement il y a un décalage. Il y a un décalage. Ils n'arrivent même plus à se renouveler. De 20-30 ans. Donc ce qui fait que ça a écrémé. Et on le voit par exemple même au niveau par exemple du parti du FLN, du RND, etc. Qui sont les militants de ces partis-là, qui sont dans la direction de ces partis-là,
qui sont dans les daïras, les walis, etc. C'est uniquement ceux qui acceptent le régime, c'est-à-dire les plus médiocres Algériens. Les meilleurs Algériens, ils sont où? Ils sont justement à l'extérieur du système, en Algérie ou bien à l'étranger. Ce qui fait que ça a écrémé les plus médiocres et les plus rigides. Et on aboutit à une espèce de complexe, du fait que ce soit des bras cassés, du fait que ce soit des incompétents. C'est comme si vous le disiez, Hassan, on ne peut pas être intègre et compétent et faire partie de ce régime. Ben, vous le savez très bien. Non, mais moi je vous pose la question. Oui, mais malheureusement c'est le cas. Parce que le système est fait en sorte qu'il éjecte les compétences. Médiocrate. Absolument. Donc, à un moment, il y a eu quelques-uns, etc., qui ont tenté, qui ont cru qu'ils vont changer les choses de l'intérieur, etc., qui sont investis dans la haute administration. Ils sont revenus de leurs illusions. Oui, mais aujourd'hui, c'est la fuite totale, la fuite des cerveaux, non seulement à l'étranger, mais à l'intérieur même du pays. Et sans compter que la bêtise aidant, ils ont mis à la retraite des cadres extraordinaires. Ou poussés à l'exil. Oui, sous prétexte que c'était des francophones, oui. Alors que c'était des gens, justement, qui avaient un savoir-faire, qui avaient même un savoir-être, et qui avaient un savoir tout court aussi. Et ils les ont mis à la retraite, justement, parce que c'était une espèce de miroir. Psychologiquement, ça leur renvoyait leur image de médiocrité. Et donc, quand on n'a pas les compétences, quand on est des bras cassés comme ça, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'effet psychologique sur l'individu et sur le groupe? Eh bien, l'effet psychologique, c'est très simple. On devient parano, M. Menchinov. C'est-à-dire qu'on va se méfier de tout le monde. On va créer des ennemis, aussi bien internes qu'externes, et on va écraser tout le monde et on va montrer par la force, par la brutalité, que c'est nous les meilleurs. Parce que le mérite par l'éradication des autres. Le mérite par la brutalité. Par la brutalité. Voilà. Et ils deviennent des brutes épaisses. Et à l'intérieur même de l'armée, des services, etc., les rares officiers qui ont la conscience, justement, de l'intérêt du pays, eh ben, ils doivent raser les murs. Ils doivent raser les murs. J'imagine. Ils sont plus vulnérables que nous. Absolument. Oui. Abdelrahim. Parce qu'ils sont sur place. Après, les agissements de ce régime, c'est de cacher, c'est de museler, c'est de même brutaliser ses compétences, tout en évitant que son incompétence soit apparente. D'ailleurs, là, ce qu'il fait actuellement, parce qu'on est sur les portes de la rentrée sociale, des problèmes économiques, tu en as très bien parlé, justement. Les problèmes économiques, des problèmes sociaux, le service public qui n'arrive plus, il n'y a jamais eu de service public qui répond aux exigences et aux besoins du citoyen. Donc devant toute cette défaillance… – La paupérisation de très larges couches de la population. – Bien sûr. Paupérisation fulgurante. Du jour au lendemain. Et puis, soit on est milliardaire, soit on n'a rien du tout. Oui. Et les milliardaires aujourd'hui, c'est eux qui maintiennent cette oligarchie. Ce n'est pas des investisseurs. C'est de la majorité. 8 cas sur 10, c'est de l'argent. Investissement, c'est une culture, un investissement. Voilà, c'est de mettre de l'argent pour gagner plus d'argent, pour créer des postes d'emploi, du travail, de la richesse, pour faire bénéficier le pays. Or, les oligarques en Algérie, ce n'est pas le cas. Ils s'accaparent de l'argent des caisses publiques. On connaît les méthodes des rouages, Algériens milliardaires. Et ça a été délit d'initié. Le délit d'initié aussi. Oui. Et ça a été accentué. Ça a été avant, mais ça a été accentué notamment durant les 20 ans de Bouteflika qui a perverti la scène politique, qui a créé des milliers et des milliers d'associations qui le soutiennent, des partis politiques. Mais Abdelrahim, dans cette fuite en avant, si on peut l'appeler comme ça, de ce système. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Selle, Abdelmadjid Tebboune, il n'arrêtait pas de parler de l'Kouwal Iqlimia. La puissance régionale. Ouais. Comme tu as cité l'exemple du Maroc, il n'y a pas que le Maroc, il y a aussi des pays africains qui sont en train de... en voie de développement de façon très considérable. Donc là, on fait tout pour éviter... L'Éthiopie, le Rwanda, qui était au plus bas, qui sont aujourd'hui des puissances africaines. Des puissances potentielles. Des puissances économiques. Qui peuvent...
Et donc là, pour mais cette fuite en avant, Abdelrahim, est-ce qu'elle ne peut pas dégénérer en quelque chose d'absolument imprévisible qui pourrait, à Dieu ne plaise, se transformer du jour au lendemain en tragédie nationale, comme on l'a déjà connu, sur le plan sécuritaire. Ouais. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir, avec le mouvement social qui se dessine à l'horizon et qui promet une grande crise, est-ce qu'on ne peut pas craindre une explosion de colère, par exemple ? C'est vrai que le peuple n'est pas dupe, notamment depuis février 2019. Il comprend toutes les manigances du régime, mais le danger, là, justement, la fuite en avant, ça ne peut amener que des situations qui sont parfois, malheureusement, irréparables. Là, ce qu'on est en train de voir actuellement, les 27 détenus à qui on reproche d'être du Mac ou de Rached, demain, on ne sait jamais ce qu'il va faire, ce régime. Donc, il est très dangereux, il est au plus haut point de son danger, hein, du danger qu'il représente à la nation. Aujourd'hui, je pense que c'est ni le Mac ni Rached ne présentent un danger pour le pays. Pour personne. Le seul danger, c'est le régime. Il le fait, il le dit et il le montre. C'est le danger. Donc avec ses provocations, avec sa fuite en avant, au moment où des Algériens, des élèves qui sont sur le point de reprendre leurs études, la rentrée scolaire dans 2 semaines, vous voyez la situation sociale, des parents qui n'arrivent même pas à acheter des fournitures scolaires, des écoles délabrées, dans un état invivable. Donc là, c'est la fuite en avant de dire que le Djesh, il a besoin de moyens, de matériel, mais pensant d'abord au peuple aussi. Mais la question que tu as posée tout à l'heure, justement, par rapport aux incompétences et aux compétences. Ce régime, il y a à peu près 2 ans, quand c'était Ben Salah, quand il avait remplacé Bouteflika à un certain moment, lorsqu'il a démissionné, il n'arrivait même pas à recruter à nommer des ministres. Des propositions. Tout le monde avait refusé. Ils avaient refusé. Ça veut dire que là, ils avaient peur de se salir, ils avaient peur de se retrouver dedans. Et là, justement, pour avoir des compétences, ce régime, parce que c'est une chaîne, incompétence, compétence et légitimité. On ne peut avoir de compétences que lorsqu'on est légitime. Pour avoir des compétences dans tous les domaines, donc il faut mettre en place des moyens, et être des moyens soi-même financiers. Compétent déjà. Si on veut avoir des compétences dans le ministère de la Santé, il faut qu'on ait des personnes compétentes. Ces personnes compétentes vont exiger des moyens, vont exiger à ce qu'on ait des hôpitaux, du matériel qui répond aux exigences du peuple. Et dans tous les domaines, donc ces compétences, personne ne peut faire confiance à ce régime tant qu'il est illégitime. Donc c'est la légitimité qui est la porte de tout ça. Juste pour dire que cette terreur, oui, dont est victime la société, il faut savoir aussi qu'il y a la même terreur vis-à-vis des cadres moyens et supérieurs, et même des petits cadres dans les administrations. Ils ne peuvent plus prendre de décisions. C'est-à-dire que l'administration aujourd'hui est totalement paralysée. Elle a paralysé tout le monde. Alors, nous ne sommes plus très loin de la fin de l'émission. Issa Rahmoun, sur ces risques majeurs, sur la pérennité même de la nation, sur sa sécurité, sur sa quiétude, que fait peser ce régime sur tout le monde ? Effectivement, écoutez, Sid Jamal, pour résumer ce que disaient Hassan et Abdelrahim sur ce problème de compétence sur les affaires de la cité, dans l'épanouissement, le développement du pays. Matoub Lounas, dans une de ses chansons, avait dit « Les meilleurs ont disparu, isolés ou vaincus, et les médias ont pris des allures d'astres scintillants. » Situation. Où les médiocres ont pris des allures d'astres scintillants. Quant aux qui ont disparu, ils n'ont pas eu la chance de voir le pays comme ils l'ont imaginé, comme ils l'ont souhaité. Je voudrais parler de ceux qui sont isolés ou vaincus. Ce n'est pas le moment de se sentir isolé. Pourquoi ? Parce que le régime est en... Il y a des coupures, Issa Rahmoun. Vous êtes au téléphone portable, essayez de ne pas bouger. Vous m'entendez ? Voilà, on vous entend. Très bien. Très bien. Donc, je m'adresse surtout à ceux qui se sentent isolés ou vaincus. Oui. Parce que celui qui est isolé sur le plan national et international, c'est le régime. L'opinion internationale, les États du monde entier ont pris une chose,
que le régime algérien n'est plus un régime fiable, n'est plus un partenaire crédible. Le travail que fait notre diaspora, que je salue au passage, est un travail extraordinaire, est un travail formidable. Le diaspora se constitue en diaspora. Aïssa Rahmoun, je me vois contraint de vous interrompre, malheureusement. Vous nous dites des choses très intéressantes, mais il y a des coupures. Merci beaucoup, Aïssa Rahmoun, au plaisir de vous retrouver bientôt, j'espère. Je vais donc laisser le mot de la fin à mes deux invités. Très vite, en une minute à peu près. Alors, moi, je voulais finir par deux choses. En fait, il y a une espèce de culture collective dans le groupe des décideurs et leurs affidés et leurs larbins. Et il y a cette culture de 1960-63, Sindouk Tadamoun. Oui. Ils ont intégré que c'est à la société d'être au service de l'État et non pas à l'État d'être au service de la société. Donc c'est vraiment à inverser complètement aujourd'hui le concept, parce que c'est ça le Hirak. Le Hirak, c'est de dire que l'État doit être au service de la société et non pas l'inverse. Et mon dernier mot, c'est l'hommage à Bessaoud Mohand Arab qui disait « Heureux les martyrs qui n'ont rien vu ». Et comment ? Alors, le mot de la fin, Abdrahim. Mon dernier mot, c'est juste un message à l'endroit de nos compatriotes Akhrat Abni Urthilan. C'est pour leur dire qu'il ne faut pas se sentir seul, isolé. Kharata, c'est une petite Algérie. C'est un échantillon de cet immense pays, du nord au sud, de l'est en ouest. Ce que fait le pouvoir actuellement, Kharata, avec ses CRS, avec toutes ses provocations, ses intimidations, il le fait aujourd'hui à Kharata. Demain, c'est les autres régions se taisent. Il va le faire un peu partout, c'est ce qu'il prépare. Donc Kharata, c'est toute l'Algérie. Le Hirak du 16 février à Kharata, c'est celui de tout le territoire national algérien. Kharata uni, Kharata unitaire, c'est l'Algérie unie, c'est l'Algérie unitaire. Merci. Merci Hassan Hirsch, merci Abdelrahim Moussouar, merci Aïssa Rahmoun. Dommage pour Aziz Mouatz qu'on ait pu le joindre. Alors, je vais vous donner une petite information, je n'ai pas l'habitude de relayer. Mais comme c'est culturel, que ça concerne la femme, que ça concerne les arts, on me fait savoir qu'un spectacle qui raconte l'histoire des femmes immigrées maghrébines, accompagnées par les chanteuses et les artistes de l'exil, aura lieu du 8 au 25 septembre 2021 au Cabaret Sauvage. Rassurez-vous, ce n'est pas un cabaret, c'est une salle de spectacle qui s'appelle comme ça. Et donc voilà, essayez d'y une aller. Bonne note. Hein? Une bonne note d'optimisme. Ah, absolument, oui. Absolument. Surtout que ça concerne les femmes immigrées, maghrébines, et que ça concerne nos grandes artistes qui ont chanté l'Algérie du fond de leur cœur. Hein, c'est... Et donc, Kharata, Beni Urtilen ou Eth Urtilen sont des villes d'Algérie. Ce sont des villes qui résistent et qui sont à l'avant-garde de la résistance. Elles ont besoin de nous aujourd'hui, que leurs militants sont face à une justice injuste, face à une justice scélérate, qui est en train de procéder rien de moins qu'à un procès collectif pour terrorisme. Merci beaucoup. Khawal Akher, Bislamah.